Spotlight, moonlight. Nigga, why you trippin', get your Mariah. Shorty look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Sur ce, donc je suis tout seul et donc aujourd'hui je vais vous faire un petit déballage de quadrocoptère. Donc c'est un drone, hein, voilà. C'est un drone donc XXL et donc la marque c'est Redfleet. C'est une très très bonne marque. Hein, c'est un produit qui coûte assez cher qu'on m'a offert il y a 2-3 ans maintenant. C'est du RC, la marque du drone qui est énorme. C'est du RC4 Canal XXL quadrocopter, voilà. Donc il a plein de fonctionnalités, hein, voilà. Donc j'ai déjà déballé, comme ça vous pouvez voir comment est l'intérieur. Voilà, donc c'est pas du tout du fake, hein, mais au niveau de la manette, etc., il y a vraiment tous les boutons. Voilà, donc ça, c'est le mode d'emploi que tout le monde lit. Bon, moi j'ai dû quand même le lire un petit peu pour voir comment on se servait des manettes. Voilà, sinon après ça se porte comme ça. Donc hop, vous tirez la manette. Putain, une main, c'est assez galère. Voilà, hop, on enlève ça, on les met de côté. Comme ça, vous allez voir la manette, comment elle est. Voilà, elle est comme ça. Ici, donc vous avez les boutons. Ça va faire l'autofocus ou pas? Elle a pas l'air de faire l'autofocus. Non, bon, bah, c'est pas grave. Enfin, bref, on a OK, on a deux flèches, enfin, on a trois flèches autour. Ce qui règle à régler le cadran qui sert à voir les zones où on a le droit de voler, etc. Je vais éviter d'appuyer sur ces boutons. Ces boutons, c'est un système de réglage aussi. C'est tout ça, c'est en fait un système de réglage. Ça, après, c'est pour conduire. Voilà. Ça va faire l'autofocus? Voilà. Parfait. Donc. On a les boutons en haut, on a l'antenne, voilà. On a les, alors ces quatre petits boutons là, vous pouvez voir là, c'est le système de réglage, voilà. Au milieu, vous avez un bouton on, dès que vous l'allumez, ça bip, ça clignote vert. Derrière, on a les piles, voilà. Il en faut quatre, des normales, ni des petites, ni des carrés grandes. Après, on a 4 hélices de rechange au cas où si la lame est casse. Puis en plus, c'est super fragile parce que ça, c'est du polystyrène. Bon, il est quand même compact, c'est du polystyrène compact, mais c'est assez fragile. Au centre, on a le moteur. Ici, on a deux chargeurs, deux batteries au lithium. Voilà, avec des petits chargeurs. Ici, on a cette pochette qui en fait sert de transmetteur de la batterie jusqu'à la prise, voilà, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup des trucs comme ça. Franchement, on a vraiment de la chance que ça, voilà. Donc en fait ça, après on a le transformateur où on vient brancher en fait la prise. Donc la prise comme ça, on vient la brancher, hop, je pose la caméra 2 secondes, hop, je pose mon tel 2 secondes, hop, on vient brancher ça et après dessus le truc blanc, on vient le brancher avec le truc blanc. Alors je fais une coupure pour vous expliquer bien comme il faut et pour brancher sur une prise. On se retrouve à tout de suite. Oui, donc voilà. Bon, désolé pour le sol, hein, je suis pas chez moi. Alors en fait on branche sur une prise de câble rejoint le transformateur qui envoie dans la batterie au lithium. Voilà. Je débranche tout ça, de toute façon c'est la même chose pour ça, je débranche tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai bien tout rangé. Juste avant, il fallait que je vous parle vite fait. Dès que vous avez donc ça, voilà, vous avez donc vous avez votre transformateur, voilà. Je me rappelais plus. Voilà, donc vous, dès que vous l'allumez avec la prise, ici ça sera tout le temps rouge. Et là, ça sera vert. Et dès que ça sera chargé au maximum, ça sera plus vert. Donc voilà. Passons maintenant à la bête. Qui se sort assez facilement. Mais c'est très fragile en fait. Ça, c'est la face avant. Donc en gros, dès que vous le décollez, ça décolle comme ça. L'arrière, c'est comme ça. Donc là, bien sûr, j'ai enlevé la batterie. Comme vous pouvez voir, c'est du polystyrène. Ça, ça s'allume, hein, bien sûr. Hop, je vais vous montrer. Ici, vous avez la truc. Hop. Je
suis tellement con parce qu'il n'y a pas la batterie. Ça, c'est les repose. Truc. Oh là. Après, c'est assez compliqué à manipuler. Après, il faut savoir. Hein, voilà. Bah, moi, je pense que c'est presque fini pour le tuto. Je vais avant vous parler un petit peu de la vidéo d'hier que j'ai fait un petit montage vite fait sur mon téléphone. J'ai fait un montage assez simple, j'ai récupéré une vidéo, je l'ai enregistrée dans un fichier, je l'ai dupliqué, je l'ai mis sur ma vidéo, je l'ai trafiqué un petit peu, j'ai fait un petit peu des couleurs, etc. avec un site internet, voilà, gratuit. Et j'ai pu avoir ce genre de vidéo rainbow, et j'ai vu que ça vous a énormément plu. J'ai eu en il me semble 19 minutes, j'avais déjà 8 likes, donc je vous remercie énormément. Voilà, j'ai fait il me semble que j'ai fait une quinzaine de vues en 1 heure, un truc comme ça. Donc ça vous a plu, hein, je pense. Donc voilà, fallait aussi que je vous parle vite fait de toute façon, je vous ai mis en description la chaîne de mon cousin. Pour l'intro, elle continue, hein, etc. Je pense que je vais en refaire une dès que j'aurai mon PC un peu après Noël, où je vous ferai pareil le déballage. Je pense que je vais plutôt partir sur un PC gamer. Alors, je me disais peut-être que je partirais sur un PC gamer avec une souris. La manette Nakon, qui avait fait un partenariat avec PlayStation il y a un peu plus d'un an. Et un casque, mais je pense que finalement je vais prendre quand même un meilleur PC de meilleure qualité, une souris, et je pense que je prendrai une manette à part. Je pense qu'on peut brancher une manette PS4 ou une manette Xbox sur le port USB de son PC. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner en masse à la chaîne de SoulRavenov. J'ai vu qu'il avait 41 hier soir abonnés, donc là il est passé déjà 42 ou 43 je crois aujourd'hui. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout que c'est mon cousin, donc n'hésitez pas franchement à vous abonner en masse, ça ferait extrêmement plaisir. Je crois que j'ai tout dit. Au niveau d'une vidéo de décollage de drone, j'ai pas besoin. Moi, je ferai que les déballages. Par exemple, c'est vrai que je pourrais faire pour le PC une partie 1 du déballage et la partie 2 du démarrage du PC. Voilà, si ça vous plaît. Je vais aussi sans doute avant la fin du mois, avant que je fasse que je recommence un petit peu les vidéos vers la fin de Noël, etc. Parce que ce moment, il y aura plus de vidéos. Voilà. Je vais sans doute faire une FAQ, donc n'hésitez pas à me poser énormément de questions. J'ai déjà des potes à moi qui m'ont déjà, enfin des potes, des gens que je connais qui m'ont déjà envoyé des questions, etc. N'hésitez pas à mettre des questions en masse, évitez de m'envoyer des questions de merde, etc. Ça sert à rien, voilà. Essayez de pour qu'on améliore la chaîne ensemble, essayez de m'envoyer des essayer de me poser des questions, etc. sur qu'est-ce que je pourrais améliorer sur la chaîne. Mais le but surtout d'une FAQ, c'est de demander qu'est-ce qu'on pourrait faire, de faire des propositions sur des vidéos, etc. que après moi je peux accorder. Par exemple, on m'a demandé sur une de mes dernières vidéos de faire je crois que c'était Niloub. Ouais, il m'a demandé à faire une vidéo de mon casier, voilà. Surtout que ça serait pas mal de faire une vidéo sur mon casier. Je crois que j'en avais déjà fait une, mais depuis j'avais large racheté des skins, etc. Parce que j'ai déjà quand même une quarantaine de skins sur mon compte Fortnite, voilà. Donc je crois que j'ai tout dit, voilà. Donc ça me ferait extrêmement plaisir que vous likez en masse et que vous mettez un maximum de commentaires pour la FAQ, voilà. Après la FAQ, je pense que je ferai un montage. Pour l'intro, je risque de la changer dès que j'aurai mon PC, grâce à Panzoid, et voilà, un site internet où j'ai vu pas mal de sites, enfin d'intro, de montage, etc. Enfin bref. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, ça ferait extrêmement plaisir. Mettez-moi en masse des commentaires, plein de questions, etc. Comme ça, je pourrais organiser une FAQ. Donc minimum, je ferai une cinquantaine ou entre 50 et 100 questions.
Donc n'hésitez pas vous tous à m'envoyer, chaque personne qui a la vidéo m'envoie un petit message comme ça, en posant des questions, quel style de vidéo je pourrais faire, dans quoi je pourrais m'améliorer, etc. etc. Voilà. Moi je vous demande juste une seule chose, c'est de pas m'envoyer des blagues de merde, parce que ça sert à rien, franchement je vois pas l'utilité. Et donc je crois que je vous ai tout dit. Moi je vais vous laisser pour cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis ciao les amis, bye!